Allô? Oui. Bonjour madame. Alors moi je m'appelle Emma Brice Fometio. Voilà, je vous appelle. Je travaille pour l'entreprise Formmaket. Je cause bien avec madame Julienne. C'est Julienne. Je cause bien avec madame Julienne. Ok. Nous faisons dans les prestations en ligne, dans les cadeaux surprises en fait. Donc si je vous appelle, c'est parce que nous avons un cadeau à vous livrer. Et lorsque j'étais en train de remplir les informations pour envoyer le livreur, je me suis constaté voilà, que j'avais oublié de prendre le nom de la personne qui m'a envoyé vous faire le cadeau surprise en fait. Donc la personne m'a dit que c'est votre chérie. Donc, étant donné que c'est la période de la Saint-Valentin, il voulait vous faire un cadeau surprise. Donc, j'avais juste relevé son numéro, mais dans la foulée, j'ai oublié de prendre son nom, son prénom. Oui, donc du coup, je voulais remplir le manifeste pour pouvoir envoyer le livre, vous le donner. Donc, je voulais savoir que vous me rappelez le prénom, son prénom pour remplir avec. Pardon? Ah, vous n'êtes pas en couple. Il dit que nous faisons dans les cadeaux surprises, nous faisons dans les prestations, l'événementiel. Donc nous faisons dans les cadeaux surprises en fait. Oui, il a vu nos prestations, puisque quand nous faisons nos services, nous filmons et puis on poste sur les réseaux sociaux. Il a vu nos prestations, ça l'a intéressé. Il m'a dit qu'il aimerait que nous fassions un cadeau surprise à sa copine. Ah, vous n'êtes. C'était. Mais c'est vous. Non, en fait, ce que j'ai essayé de le joindre, je n'ai pas pu le joindre. C'est pour ça que je me suis dit, bêta, je vous appelle. Parce que je n'étais même pas censé vous appeler. J'étais juste censé vous appeler et faire la surprise immédiatement. C'est parce que je n'ai pas pu le joindre à nouveau que, voilà, je viens d'essayer de vous appeler. Quelqu'un comme ça ou c'est un être, mais naturellement, moi je n'ai pas de chérie donc je ne sais pas. C'est étonnant, je ne sais pas comment ça peut être une erreur. Parce qu'il m'a dit que c'est à Polytech, on devait livrer ça à Polytech, Yaoundé, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Ah, ça dit que. C'est étonnant. Ah, vous ne résidez pas à Polytech alors? Je ne peux pas prendre un cadeau de la personne que je ne connais pas. Justement, c'est pour ça Vous qu'il dit que. comprenez, non? Oui. Ben, certainement, ça ne peut pas être une erreur parce que la personne m'a donné le numéro, le nom du Si vous quartier. me donnez le numéro, c'est bien sûr. Si vous me dites, voilà, c'est telle personne qui vous a envoyé ce cadeau-là, je peux recevoir le cadeau. Mais je ne peux pas prendre le cadeau de quelqu'un que je ne connais pas. Non, mais je vous ai dit que c'est votre petite amie. Je dis que je n'ai pas de petite amie. Ah, d'accord, Vous ok. comprenez, je n'ai pas de petite amie, donc je ne connais pas. Sauf si c'est mon ex, mais je ne pense pas. Et je ne pense même pas recevoir un cadeau de lui. Comment si c'est vous qui c'est lui qui vous a envoyé, je ne pourrais pas le recevoir. Je suis désolée. Ok, d'accord. Donc, certainement, il s'est dit que il était votre, vous étiez sa copine, quoi. Ok. Alors, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Parce que voilà, le monsieur m'a donné le numéro de téléphone, il m'a donné toutes les informations, les indices concordent également, mais la dame a dit qu'elle n'a pas de, elle n'a pas de copain, elle n'a pas de petite amie. Donc, le monsieur lui avait des doutes depuis, donc ces doutes sont peut-être avérés, je ne sais pas. Alors, dites en commentaire, ça veut dire quoi? Moi, ça me dépasse, je n'arrive pas à comprendre. Alors, ciao, big up. Pour faire vos paris sportifs, inscrivez-vous sur Winamax avec le code promo FOM237 et obtenez un bonus de 200% sur votre premier dépôt et gagnez plusieurs autres bonus.